Boire un verre, c'est bien sympa, mais accompagné d'une douce et charmante compagnie, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on teste un bar un petit peu insolite, un bar à chat. Il y en a trois sur Paris et aujourd'hui, on se rend au Chamallow. Bonjour. Bonjour. Okay. Vous avez réservé? Non. Bon, c'est pas grave, on a de la place. Je vous laisse juste vous désinfecter les mains ici. Ouais. Par contre, ici, il y a quelques règles à respecter. Il va falloir pas parler trop fort parce que c'est un endroit très calme. Vous avez le droit de vous balader dans tout le salon pour aller voir les chats, les caresser, mais vous n'avez pas le droit de les porter dans les bras. Si jamais vous faites des photos, il faut les faire sans flash. Vous pouvez choisir la table que vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le concept du bar à chat? En fait, le concept, ça vient surtout des pays asiatiques, de Chine et du Japon, où les gens sont un peu plus stressés qu'ici, apparemment, et où c'est compliqué aussi d'avoir des animaux en appartement. Donc, ils ont pris le concept de mettre des chats dans les bars. C'est prouvé scientifiquement que caresser les chats, en fait, produit des endorphines. Donc, ça réduit le stress, ça fait vivre plus longtemps, choses comme ça. Bon, bah, je crois alors. Si se relaxer et caresser des chats est tout l'enjeu du Chamallows, on vient aussi pour déguster boissons et gourmandises. C'est un lieu atypique où on peut vraiment se ressourcer. On a des boissons vraiment spectaculaires. J'en ai déjà goûté. C'est vraiment top top. Et puis c'est vrai que voilà, dans une ville stressante comme Paris, on a bien envie de. Enfin, moi, je sais que j'ai envie de décompresser. Bon bah ça y est, les boissons sont arrivées. J'ai choisi Chaud Milk. C'est l'heure de la dégustation. Ici, 14 boules de poils cohabitent et sont maîtres des lieux. Combiner vente de nourriture et animaux en liberté nécessite quelques aménagements pour une hygiène irréprochable. On voit qu'il y a deux espaces délimités, donc l'espace bar à chat et vraiment l'espace cuisine. Oui, parce qu'on ne peut pas faire la cuisine avec les chats qui pourraient rentrer dedans au niveau des poils ou de l'hygiène. Les chats vont quand même dans leur litière, les pattes, machin. On les voit bien monter sur le comptoir, mais non, c'est pas possible. Vous l'avez bien compris, ici, ce sont les chats qui font l'attraction. On trouve plusieurs races différentes. Petite présentation avec la responsable. L'oriental, c'est jaune, c'est la même race que Jessie. C'est un mâle, maman mâle est plus grand que les femelles. Et celui-là c'est Simba. Les guerres ressemblent pas à Dobby dans Harry Potter? C'est pas partout qu'on voit un endroit réservé aux chats. Et puis en plus, ici, j'ai vu qu'ils étaient bien traités, on s'occupe vraiment bien d'eux, donc c'est un bon point aussi. Comme ça, on n'a pas les contraintes de la maison, on a juste à les caresser. Voilà, c'est ça. Puis bon, on va attendre un petit peu avant de se faire à l'idée que notre chat n'est plus là. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un autre chat chez nous, donc c'est un bon compromis. Le Chamallows, situé au 30 rue des Volontaires, est ouvert du mercredi au dimanche, de midi à 21h.